J'ai mieux là. Oui, j'étais déjà en train de jouer. Heureusement qu'il y en a, il y en a un qui suit quand même. Hein. Merci, missile. Parce que tous les autres s'en foutent en fait. Enfin, les autres jouent pas avec le son en fait. C'est ça surtout. Alors, objectif, essayer de réunir peut-être 12 cailloux, ça serait pas mal pour se faire un petit feu. Enfin, un petit feu, un feu. J'ai fait la liste de tous les compos dont on a besoin quand on s'installe, enfin quand on fait les premiers jours avant de s'installer sur Lone Star. En comptant même le nombre d'outils dont tu as besoin. Donc on a besoin de 12 silex au minimum pour pouvoir couper tout le bois dont on a besoin et miner toute la pierre dont on a besoin. Ah oui, je me faisais chier. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On va revenir par ici pour... Toc, on va miner ça, puis après on montre. Enfin, lui, les pingouins. Ah bah oui, c'est mieux. Merci, missile. Effectivement. Bon, bah alors, je suis allée complètement à droite du portail, bah, si j'ai fini. D'accord. Je suis allée à gauche, mais je peux descendre. Ça marche. Moi, j'étais à gauche en montant. Ouais, je pense qu'il faut que tu passes dans le marécage, de toute façon, t'auras pas le choix. On va faire un petit feu, de toute façon, là, c'est le moment de se tenir chaud. Ça va être la nuit. C'est la nuit. Pas non plus des masses de bouffe. Fais ton feu! Fais ton feu, fais ton feu, fais ton feu. T'as pas trouvé des masses de bouffe? Il y en a encore un peu à côté du portail. Laisser, ce sera la bouffe de... d'urgence. C'est ça. Parce que j'ai pas tout pris exprès. Ah mais je pense que c'est une bonne idée de pas avoir tout pris à côté du portail. Toc. Comme ça je vais ramasser le roseau. Yes. En pleine nuit? Non, là je ne débouche pas, moi la nuit d'hiver. Plus j'aille encore plus vite. C'est clair. Je me vois pas faire un feu au milieu des. Des nouvelles pour le clavier? Oui, mais si, regarde, je l'ai. Là. On l'a reçu. Et on a été remboursé effectivement du prix qu'on avait payé sur Price Minister. Avec toutes les excuses de Price Minister. Et en fait, le gars, il avait mis en vente un clavier qu'il n'avait pas. En comptant sur le fait, je suppose, que les gens ne remarqueraient pas que c'était pas le bon. Je sais pas. Ça faisait presque malhonnête, quand même. Un petit peu. Ouais. Parce qu'en gros, il disait qu'il vendait le pro. Et quand Price Minister l'a contacté, parce que...